On est lundi, c'est la dernière semaine avant mon voyage avec Clémence. Samedi midi, je prends l'avion pour aller à Melbourne et samedi soir, je prends l'avion de Melbourne pour aller jusqu'à la destination et rejoindre Clémence à l'aéroport de notre destination. Le voyage qu'on a prévu est assez long, c'est un peu plus de 3 semaines, un peu moins d'un mois, donc ça reste un gros voyage. Et comme d'hab avant les gros voyages, bah, j'ai plein de trucs à faire et à prévoir, donc cette semaine va être assez speed. Aujourd'hui, j'ai déjà fait pas mal, mais je vais essayer de te montrer, sans trop te montrer, parce que je risque de dévoiler ma destination peut-être. Ça, c'est la liste de ce que j'ai à faire avant de partir et il n'y a pas tout dessus. Genre toutes les 2 minutes, je me dis non, il y a ça aussi qu'il faut que je fasse absolument avant de partir, il y a ça qu'il faut que je fasse, etc. Là, on est lundi et je suis en route pour aller dans un centre commercial. J'ai pas encore été vraiment dans un centre commercial ici en Australie depuis que je suis arrivée, mais là, il me faut des trucs spécifiques, dont des pantalons, parce que là où je vais il fait froid et j'aimerais m'acheter au moins un autre pantalon parce que j'en ai pas assez, donc il faut que j'aille faire du shopping et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, acheter tout ce qui me manque avant de partir. Je t'embarque avec moi. Bon, à la base j'avais prévu de t'emmener avec moi, je t'avais effectivement dans mon sac à main, mais j'ai rien filmé du tout parce que j'ai essayé de faire ça rapidement et j'ai perdu genre 3h30 au centre commercial et j'ai même pas acheté de pantalon, donc expédition semi-inutile. Mais j'ai acheté d'autres trucs, par exemple, de manière tout à fait inutile, des chips crème et oignon, parce que ce sont les meilleurs chips de l'univers. J'ai acheté un nouveau shampoing sec, mon essentiel de voyage. J'ai acheté le moins cher, je te le dis comme c'est. J'ai acheté le moins cher et du coup, peut-être qu'il finira dans mes favoris, nous ne savons pas. Dernier truc que je me suis acheté, je crois que je ne te l'ai pas montré. J'ai enfin acheté un mixeur à main. Comment ça s'appelle ce truc? Parce que ici, je suis en charge des gâteaux. C'est-à-dire que les 3/4 du temps, je ne paye pas les courses alimentaires. En échange, je dois faire des gâteaux toutes les semaines. Sauf que sans ça, faire des gâteaux, c'est vraiment très chiant. Du coup, j'ai investi 15$. Je viens d'aller récupérer un gros matelas en mousse que j'ai eu pour 5€. La personne a déjà commencé à le découper, mais ça va jusque là, donc tout le reste est encore bon, qui devrait suffire pour faire du coup la partie qui me manque ici. Et je vais peut-être réfléchir à, avec le reste, faire des espèces de coussins, mais des coussins en coupant avec une certaine inclinaison pour que je puisse bosser confortablement sur mon ordinateur et pas avoir à me mettre contre les sièges avant. Je sais pas encore. De toute façon, je pense pas le faire aujourd'hui. Je dis ça, mais j'ai trop envie de le faire, donc je sais pas encore. Bref, bientôt le lit sera complet. Bon, ma liste de choses à faire se réduit petit à petit. N'empêche que j'ai encore énormément de trucs à faire. Je viens de filmer ma vidéo sur Tinder qui sortira mercredi. Mais Lisa, qui était partie en road trip pendant une petite semaine, vient de rentrer. Et du coup, on a décidé de partir à l'aventure aujourd'hui pour aller découvrir Secret Garden. Genre le jardin secret de Perth. Alors on sait pas si c'est secret, on sait pas si c'est pas secret. En tout cas, les photos que j'ai vues sur Instagram de cet endroit sont absolument magnifiques. Donc je vais me changer, attraper un truc à bouffer et je vais aller récupérer Lisa et on va partir faire un mini road trip. Un mini road trip de 30 minutes. Donc il est vraiment mini. Je te retrouve là-bas. Thank you.
Mercredi, opération de la journée, finir le lit. Donc, j'ai ce machin là. Et il me faut un morceau qui fasse 130 cm sur 45 cm. Sachant que ici, ça a commencé à être découpé. Je crois que je vais faire mon morceau en deux morceaux, en fait, pour garder toute cette partie-là intacte pour pouvoir en faire des coussins. Ça y est, on a une continuité, donc le matelas pour les pieds, un matelas et un autre matelas. Je pense qu'il est temps de faire mon lit pour voir comment c'est, une fois qu'il y a les draps et tout. Oh, je suis trop contente d'avoir trouvé ce morceau de mousse. Le lit, check. Maintenant, les prochaines étapes pour le 4x4, c'est des moustiquaires et des rideaux et des lumières à l'intérieur qui sont pas les LED super fortes, mais juste des lumières sympas pour le soir. Ça, c'est les trois prochains trucs qu'il faut qu'on fasse. J'ai le voisin qui arrête pas de passer, qui se demande ce que je fous à être couché dans ma voiture. Ah, je suis trop contente, le lit, c'est trop une bonne chose de faite. Retour dans la voiture, je vais coller le velcro. Il fait trop sombre pour que ça focus, je pense, pour attacher les moustiquaires. Et je pense que je finirai les moustiquaires demain. Bon, j'ai mis tous mes petits points de velcro pour les moustiquaires à l'arrière et... pour les rideaux à l'avant. Je pense que les fenêtres arrière auront pas de rideaux et les fenêtres avant auront pas de moustiquaires. Du coup, quand je dors, j'ouvrirai celle-là et quand je dors pas, j'ouvrirai celle-là quand ça craint pas pour les moustiques, quoi. Sérieusement, faudrait que je parte en voyage dans mon voyage plus souvent parce que le fait de savoir quand je pars m'oblige à faire tout ce qu'il y a sur ma liste avant de partir et je crois que depuis que je suis ici en Australie, j'ai jamais été aussi productive. Hier, j'ai donc fini mon lit, j'ai fait un petit fluff, je sais pas comment ça s'appelle, pour remettre en fait sur le micro de la caméra parce que là où je pars ça risque d'être assez venteux et que j'ai toujours un problème avec cette caméra que le vent bouge complètement le micro et qu'ensuite on n'entend plus rien, donc c'est ma tentative pour essayer de filmer même quand il y a du vent dehors. Donc ça c'est fait, aujourd'hui on est jeudi et jeudi... Donc ce soir j'ai à nouveau mon cours de cuisine où je dois faire la vaisselle et je vais finir les mousquetaires. Putain. Et je vais finir les moustiquaires et ensuite il faut que je prépare ma clé USB avec de la musique pour le road trip et que je mette des livres sur le Kindle. J'ai reçu hier des papiers pour la voiture et en fait elle est toujours pas à mon nom, donc il faut absolument que je règle ça. Il y a plein de bazar ici. Et aujourd'hui il faut aussi que je finisse absolument tous les trucs de graphisme que j'ai en cours, que j'envoie tout pour que s'il y a des modifs à faire je puisse les faire demain et qu'ensuite je sois tranquille pour mes vacances. Donc première étape aujourd'hui, les moustiquaires. Epic fail, quand j'essaye de décrocher les moustiquaires, ça décroche les scratchs. Il y en avait un là, il est carrément parti. C'est pas la solution. Coucou toi. C'est déjà le dernier jour de ce vlog. Hier soir j'étais à mon taf de dishwasheuse, faiseuse de vaisselle, cours de cuisine. C'était super intéressant. J'ai récupéré plein de bouffe. Je te montrerai peut-être ça quand je reviendrai. Là je suis sur le départ pour mon job de ménage. C'est très très passionnant, dis donc. Donc 4 heures de ménage, ensuite je reviens et je termine ma valise parce que je prends l'avion demain à midi.
de retour 4 heures plus tard avec le dos en vrac, mais 60$ en poche. Trop de trucs à faire avant demain, je commence vraiment à stresser. Je vais te montrer du coup le gars chez qui je vais aider pour les cours de cuisine, ce qu'il m'a donné comme bouffe avec. Hier c'était soirée grecque, donc j'ai du tzatziki qui est super super bon. Ça c'est de l'agneau, ça c'est du poulpe et du poisson, c'est clairement pas pour moi. Et j'ai du pain pour manger ça. Et ça c'est un gâteau à l'orange, c'est une tuerie incroyable. Bon, j'ai à peine commencé ma valise, là c'est les fringues que j'emporte, mon sac à dos du coup qui est commencé. Du bazar, encore plus de bazar ici parce que j'essaye de faire le point sur ce que j'emmène et sur ce que je n'emmène pas. Coucou toi. Et du coup je vais arrêter ce vlog là parce qu'il faut encore que je le monte ce soir, que je le prépare, que je le programme, que tout ça. Que je finisse tout ce que j'ai à faire ici avant de partir. Et puis j'aimerais bien profiter d'une soirée relativement calme encore. Ou pas, j'aimerais bien profiter de cette soirée parce que je vais la passer avec Lisa et mon coloc avant de partir. Donc je te retrouve peut-être la semaine prochaine pour mon premier vlog dans mon pays de destination. Je dis peut-être parce que je sais pas du tout comment ça va se passer au niveau du wifi, donc je ne suis pas sûre de réussir à le poster en temps et en heure. En tout cas je filmerai, et si j'arrive pas à poster les vlogs, et ben je les posterai tous à mon retour. Est-ce qu'on fait comme ça? Oui, de toute façon t'as pas le choix. À samedi. Et pour retrouver les autres crash tests, il suffit que tu regardes la vidéo qui se lance juste après. Salut !